Le programme régional d'appui à la prévention des pandémies, le projet de renforcement des capacités de l'USAID et le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest apportent leur appui à plusieurs institutions pour le renforcement de leurs systèmes de prévention et de lutte contre les pandémies axées sur l'approche « Une seule santé » dans l'espace CEDEAO. Un atelier de validation de la stratégie régionale et du manuel de gouvernance du mécanisme de coordination de cette initiative a eu lieu à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Ce document permettra à la CEDEAO non seulement de renforcer la sécurité sanitaire régionale face aux problèmes majeurs de santé, y compris les épidémies de maladies zoonotiques telles que Ebola, Lassa, Covid, mais aussi de relever le défi d'autres menaces émergentes. L'atelier fait suite aux réunions tenues dans plusieurs capitales de l'espace CEDEAO afin de promouvoir la mise en réseau et l'instauration d'un climat de confiance entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale de la zone. Le représentant de l'OMS en terre ivoirienne précise qu'il faut un travail en synergie pour réussir cette mission. L'alliance quadripartite est engagée à mieux supporter les pays à mettre en œuvre l'approche une seule santé. Et face aux enjeux, la quadripartite, par mon nom, a mis en place un comité d'experts de haut niveau qui, sur la base des données scientifiques, la conseille sur ses orientations et la mise en œuvre de ce plan. Présent à ce colloque, le ministre ivoirien de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle s'est dit heureux pour le choix porté sur la Côte d'Ivoire par rapport à cette rencontre visant la mise en œuvre de l'approche Une seule santé. Pour opérationnaliser cette collaboration multisectorielle, notre pays s'est doté de plusieurs plans de surveillance et de lutte intégrée contre les zoonoses prioritaires et la résistance aux antimicrobiens. Les différentes parties prenantes impliquées dans l'approche Une seule santé entendent par ailleurs multiplier les rencontres pour une véritable réussite de cette initiative.